ochii nu te ustură deloc. Cu Dalina i-am deschis, nu mă ustură, v-am zis. Dalin, șamponul preferat al copilului. Août 1944. La fin de la Seconde Guerre mondiale ne semblait plus faire de doute. Paris était libéré. Après 4 années de combat, la défaite des Allemands paraissait assurée. Depuis le débarquement de juin en Normandie, les troupes des États-Unis et de leurs alliés avaient pris l'avantage au nord de l'Europe et repoussé les forces nazies à l'intérieur de leurs frontières. La ville Lumière était en liesse et accueillait ses libérateurs avec enthousiasme. En défilant sur les Champs-Élysées, soldats et officiers étaient persuadés que Berlin allait bientôt tomber. Et on prédisait que tout le monde serait de retour au pays pour Noël. Mais après Paris, à mesure qu'ils approchaient de la frontière allemande, leurs espoirs commencèrent à s'estomper. Accroche-toi, Bobby. Accroche-toi. Tiens le coup. Oui, je tiens le coup. T'es fait en acier. En acier. Dis-le mieux que ça, Bobby. En acier. Et c'est comment l'acier? Costaud. Exact, c'est sacrément costaud. Déconne pas. Accroche-toi, Bobby. Serre les dents, mon pote. Costaud comme l'acier. Je tiens le coup. T'as raison, t'es costaud. T'es fait en quoi? En acier. Ouais, c'est ça, redis-le. Je suis en acier. Ouais, t'as raison, bordel, t'es en acier. Allez, tiens bon la rampe. J'ai mal. Je sais, mais on y est presque. Il y a 800 mètres encore. C'est trop loin. Mais non, on y est presque. Je tiendrai pas le coup. Arrête de déconner. Je vais lâcher. Ta gueule, tu vas tenir. Tu vas tenir le coup. Je vais tenir. Et comment tu vas tenir? Écoute, Bobby. Faut que j'arrête une minute. D'accord? D'accord? Merde. Bobby, déconne pas. Arrête! Tiens bon! Tiens bon! Bobby, tiens bon! Bobby, Bobby! Merde, t'es pas passé loin.
Promets-moi que tu vas plus me trimballer. Ça fait trop mal. T'entends? Je veux plus que tu me trimballes. Écoute, Bob. Si je te laisse là, on va plus te retrouver. Tu crèveras comme un con. Je veux juste me reposer. Je suis en train de crever. Faut pas qu'on reste ici. Il faut que je t'embarque, vieux. Je vais te sortir de là. Faut y aller. Non. Allons-y. Non, non, je peux plus. Allez. Non, non, d'accord, d'accord. Relax. Bah, tranquille. D'accord, je te touche pas. Non. Arrête, calme-toi. Calme-toi. Repose-toi. Pas l'intention de me laisser. J'ai pas le choix, Bob. D'accord. David, me laisse pas ici tout seul. Je t'en prie, me laisse pas ici tout seul. Me laisse pas ici comme ça. David ? David, me laisse pas ici tout seul. Chiale pas. Me laisse pas ici. David ! Où est la compagnie C? Attention! T'agites pas, vieux. Serre les fesses. Jean-Berlin, prends l'autre bout. Le capitaine demande s'il y a des rescapés dans ton peloton. Où il est? Il est rentré au QG. C'est par là que je vais, si tu veux que je t'emmène. Aidez-moi. Pourquoi on laisse ces mecs comme ça? C'est ces putains de galonnés. Les camions, ils sont pas pour les macabées. On en a besoin pour envoyer d'autres mecs au casse-pipe. L'enfer est déjà plein à craquer. Ils se serreront un peu. Il y a de la place là-bas. Il suffit de savoir les empiler. Combien de gars ils sont restés? Des centaines. Rien que pour les 5 derniers jours. Ces cons d'officiers voient les morts, mais ça leur coupe pas l'appétit. J'ai pas vu un enculé de grader au-dessus du rang de capitaine ici depuis que ça pète. Il voit que les petits drapeaux sur la carte.
Y a pas un seul de ces cons qui a la moindre idée de ce qui se passe. C'est le QG qui foire. Ça, tu l'as dit. Le régiment se torche le cul sur le bataillon se torche le cul sur la compagnie, et la merde qui reste, elle est pour nous. Tu peux me croire? Ils vont nous expédier en ligne jusqu'à ce que toute la division soit rayée. Sauf moi, mon pote. Deuxième classe, ma ligne est là. D'accord. Vous êtes Manning? Je crois que oui. Vous nous épargnez les gags, Manning. On se calme. Inutile de chercher votre peloton, il ne reste personne. Quoi? Vous êtes le seul qui soit sorti du merdier. C'est votre jour de chance. Jour de chance? Vous êtes vivant. Non, c'est vrai? Ou vous la mettez en sourdine, Manning, ou quoi? Assez! Bouclez-la, tous les deux. Lucas, laissez-nous, sortez. Pauvre con. Faut mieux vous y faire, c'est votre nouveau lieutenant. Il sera mort d'ici une semaine. Dites-moi, ça tient le coup dans votre tête? Ça va, ça vient. Comment ça? Il y a des fois où ça va et puis d'autres où c'est tangent. Sans déconner. Votre idée, c'est quoi? Capitaine. J'ai tout le bataillon qui a morflé cette nuit. Apparemment, on aurait pour 70% de pertes, mais j'attends le décompte. De toute façon, on est mal en point. On a dû se replier sans atteindre un seul objectif. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? D'ici que des troupes d'appoint arrivent de l'arrière, vous allez marcher avec une nouvelle escouade. Je vous félicite, Manning, vous voilà sergent. Je n'y tiens pas. Vous allez vous y faire. Je n'ai aucune envie d'être sergent. Écoutez, ça ne m'intéresse pas que vous ayez envie ou non. Je veux bien supporter votre grande gueule parce que je me dis qu'après une semaine au feu, vous avez gagné le droit de râler un coup. Mais pas le droit de discuter mes ordres. Je ne suis pas fait du tout pour commander. C'est peut-être votre opinion, sergent, mais ce n'est pas la mienne. Vous avez réussi à survivre une semaine sous ce déluge. Les autres gars de votre peloton n'y sont pas arrivés. Vous me trouvez peut-être débile, mais à mon point de vue, ça vous qualifie pour ce boulot. Vous faites une bêtise. Je prends acte de votre opinion, sergent. Rompez. Capitaine, quand j'étais dans cette forêt, j'ai fait une chose que... Sergent. Oui. À votre poste. Je voudrais être transféré à l'arrière. Je ne tiens plus debout, je suis à zéro, à bout de force. Écoutez-moi bien, Manning. Il y a une semaine, je commandais une compagnie de 200 hommes. Là, il m'en reste 50. Alors c'est peut-être pas facile pour vous d'avaler ça, mais vos efforts pour sauver votre peau ne comptent pas à côté de ce qui se passe ici en ce moment. Tout ce qui compte, ce sont nos objectifs. Plus longtemps ça prendra pour y parvenir, et plus il y aura de me rentasser dans les fossés. J'ai un boulot, parvenir à ces objectifs, et j'utiliserai tous les hommes à ma disposition dans le secteur. Et vous êtes dans le lot, sergent. Je suis bien triste que vous en ayez plein les bottes d'aller au feu, mais vous nagez dans le délire si vous croyez pouvoir vous barrer tranquille à l'arrière. Est-ce que c'est clair? Très clair. À 14h, vous allez rejoindre votre nouvelle escouade. Ça vous donne le temps de vous nettoyer les idées. Est-ce que c'est clair? Oui, capitaine. Bon. Alors sortez de ma tente. Capitaine? Si jamais j'échoue, ce sera votre faute ou la mienne. Tu peux venir avec toi? Ça me gêne pas. Alors, t'as une promotion? Ouais. D'où tu sais ça? Ça sert d'avoir des copains. T'as une sèche? Ouais. Thank you.
anodin, c'est plutôt miraculeux quand on y réfléchit. Et le peloton tout entier qui se prend les couilles dans l'engrenage, et un seul mec qui réussit à s'en tirer. Il y a 25 ou 30 gars crevés ou presque, et toi t'as pas la moindre égratignure. Bon jour de chance. Ouais, drôle de chance. C'est une façon de voir les choses. Mais c'est pas la seule. Hein, Talbot? Y a rien de sacré pour toi, on dirait, Manny. Si, avoir les pieds au sec. Alors, comment tu t'es tiré de ce merdier? T'as dû te retrouver coupé des autres. Il y a tant d'arbres dans le secteur, t'as dû t'égarer. Dis-moi ce qui s'est passé. Si ça te démange tant que ça, vas-y, vide ta musette. D'accord, j'ai une ou deux idées. Disons que t'as une technique que je repère mieux que tu crois. Tu restes trois pas derrière les potes, t'es jamais volontaire, t'en fais tout juste assez pour éviter les emmerdes, à condition d'en sortir sans que ça te mouille. T'as un peu trop d'imagination. Je vais te dire une chose, finis les conneries, Manny. Plus question de te planquer. Il y a des bleus qui comptent sur toi pour s'en sortir, et si jamais je vois un seul de ces mômes se retrouver bousillé parce que t'as chié de trouille, alors c'est moi qui te mettrai une balle dans le bide. Paumé. Je croyais que tu t'étais planqué. T'as cru qu'il s'était planqué? Mais non, tous les cutéreux savent passer entre les gouttes. Je suis dans la merde. T'inquiète pas, le sergent il est pas encore là. Comment t'es venu? Il y avait un mec qui passait par là en jeep et il m'a dit de suivre la route tout droit. C'est étonnant qu'on nous envoie ici, on dit que la guerre va être terminée d'ici Noël. Et qui t'a dit cette connerie? La rumeur. J'ai entendu dire que les cheveux ont plus que des vieux et des gosses sur le front. Et t'avales ça toi? Ça m'arrangerait. Et toi t'avales ça samedi, ces histoires de vieux et de gamins? Si tu y crois, j'y crois. C'est quoi ces trucs? J'en sais foutre rien. C'est des dents de dragon. C'est des espèces de pièges, Tichard. Ici, vous êtes sur la ligne Siegfried. Là-bas, c'est l'Allemagne. Je vous conseille de ne pas l'oublier. Allons-y. Vous êtes avec moi. On monte au front. Écoutez bien. Le front est juste derrière cette colline. Une fois que vous serez caché dans vos trous, les cheleux seront à moins de 50 mètres de distance. Ce qui n'est pas beaucoup. Chaque mec se trouvera loin de ses copains. S'il y a du brouillard, ça empêchera de voir le gars qui est à côté de vous. Mais les Allemands, eux, vont nous entendre prendre nos positions. Et ils savent que vous êtes des bleus. Comment ça? On a perdu des dizaines de mecs cette nuit. Ils savent qu'on est dans la merde. Et qu'on a amené en catastrophe des bleus ici aujourd'hui. La seule raison pour laquelle ils tentent pas une percée, c'est qu'ils ont morflé eux aussi.
Ils savent que vous n'y connaissez rien. Alors ils vont en profiter. Ils vous appelleront en anglais pour essayer de vous foutre en panique. L'important, c'est donc de tenir le coup et de ne pas céder à vos nerfs. C'est plus du cirque. Maintenant, vous êtes dans l'entonnoir. Tu t'appelles ? Hein ? Comment tu t'appelles ? Warren. Warren quoi ? Sanderson. Sanderson, t'es le premier. Tu restes bien derrière moi, c'est compris ? D'accord. Je vous prendrai tous ici, l'un après l'autre. En attendant, ne bougez surtout pas de là. Et toi ? Tu te cramponnes à mon falzar. Allez, on y va. Warren, baisse la tête. Embarquez-le. Ça fait des heures qu'on pourra être ici. Rien de neuf côté allemand? Leur putain de char encore. Ils nous braquent leur pétoir au fond de la gorge depuis cette colline de merde, jour et nuit. L'aviation peut pas les repérer, l'artillerie peut pas les atteindre, faut trouver le moyen de déloger ces merdeux, sinon on est mal barré. Leur putain de 88. Ils sont toujours là. On a leur char à droite, leur 88 de merde à gauche, on est gâtés. Putain d'armée. Ouais. Putain d'armée. Je reviendrai demain matin avec une patrouille. Oui. Je sais pas ce que je suis censé faire. Tu veux que je te dise ? D'accord. Pour l'essentiel, tu es un guetteur. Quand on te colle ici, ta responsabilité, c'est de tenir le coin du secteur. D'accord ? Il y a un nid de mitrailleuse à nous qui te protégera sur ton flanc droit. Là-bas, ils sont à 25 mètres. T'as un autre collègue armé pour te protéger sur ta gauche, là, tu vois ? Pas aussi loin, pas plus de 15 mètres de toi. D'accord. D'accord. Et là, en face de toi, t'as les cheveux. Juste à côté. Une trentaine de mètres ou un poil plus. La question clé, c'est Hershey. Le mot de passe, c'est Apple. D'accord. Si tu dis Hershey et qu'on répond pas Apple, alors là, tu flingues. T'as saisi? Tu converges pas, t'hésites pas, tu tires. C'est bien rentré dans ta tête? Sinon, tu retourneras chez ta mère dans une belle boîte en bois. D'accord. Alors, si les cheveux tentent une percée, tu balances ta grenade. Oui, et à quoi je saurais qu'ils font une percée? Il y aura des bruits, des canonnades, des hurlements et une bande de zik qui te courront au cul. Oui. Là, tu sauras qu'ils font une percée. Ah oui. Ah oui. Si t'as envie d'une cigarette la nuit, surtout enfonce-toi bien au fond de ton trou. Oh non, je fume pas. Hein? Je fume pas. Est-ce que t'as toujours tes rations? Oui. Tu y viendras. Comment tu t'appelles ? Warren. Bienvenue dans l'usine à cadavres.
dois suivre une ligne droite. Je sais, oui. C'est ta première patrouille. T'as eu le temps de me voir faire ce boulot-là. Oui. Fais gaffe. On vient de passer une trentaine de mètres derrière les Lynch-le. T'as pas d'amis ici. Notre mission, c'est de reconnaître les positions de l'ennemi. Relâche un peu sur la détente. Oui, d'accord. C'est ta première occasion de rester vivant, la fous pas en l'air. En route. Sanderson. Mais où il est passé? Baisse-toi, baisse-toi. Qu'est-ce qu'il y a? On a perdu Sanderson. C'est toi qui l'as perdu. La ferme. Qu'est-ce qu'on fait, sergent? On l'attend. J'espère qu'il est pas con et qu'il se ramènera bientôt. Peut-être qu'il sait pas qu'il est tout seul. Si, il le sait. Venez, on se replie. Sanderson, on va pas le laisser. Pas question de risquer la vie de tout le monde. Ben, ouais, mais... Comment tu t'appelles? Doug. Despin. Bon, Doug Despin. Je crois que c'est la deuxième fois que je te dis de la fermer. Tu m'as compris?
Alors en route. Warren! Bonjour, messieurs. Bonjour. On lance une nouvelle offensive. L'objectif est de reprendre la ville de Schmitt, 8 km à l'est de nos positions présentes. Vous y attendiez, je pense, non? Pour y arriver, il faut que nous tenions le passage du fleuve sur la route de Kahl. Il faudra traverser cette forêt pour parvenir au fleuve. Roy, vous reprendrez avec vos gars le contrôle de la route de Kahl. Vous devrez enlever et tenir toute la zone du pont d'Arbalet. Je vois. Le G2 affirme que la route est libre jusqu'au pont, mais quand vous y serez, ça risque de péter dans le coin. Il y a une question qui me gêne. Est-ce que le G2 aurait oublié les tanks qui nous harcèlent à mort sans qu'on puisse se défendre? Non. Et l'artillerie va leur régler leur affaire. On nous répète ça depuis une semaine. Mais ils l'ont dit encore hier soir, et cette fois ils vont le faire. Bande de connards. Vous avez un problème, capitaine? Et si leur char continue à flinguer nos gars? Alors on s'en occupera. Pas de problème. Capitaine Pritchett, si vous vous sentez incapable d'exécuter vos ordres, vous me le dites. Je vous relèverai et je nommerai un officier qui fera le travail. L'attaque va partir de 3 points sur la ligne Siegfried. Ici, ici et ici. Pas de tir de barrage préparatoire cette fois, je veux les prendre à froid. Vous prendrez et ensuite vous tiendrez l'objectif. Il y a bien trop longtemps qu'on piétine dans ce merdier. Des questions? Pas de questions, capitaine? Aucune. Merci. Bonne journée, messieurs. Anderson, tu bouffes pas ça? Touche pas sa gamelle. Si tu veux du rab, tu vas faire la queue. Sanderson, finis ta bouffe. J'ai pas faim. Il s'agit pas de ça. J'ai pas faim, sergent. La dernière fois que j'ai mangé chaud, ça fait 5 jours. Aussitôt après, tout le peloton est parti en morceaux. C'est pour ça que vous êtes ici. Vous êtes des mecs qu'on a amenés pour se faire buter. Et après, on va en amener d'autres. Vous voyez comment ça fonctionne? Quand vous vous serez mis ça dans vos crânes de puce, vous verrez. Vous fait chaud, c'est très important pour se retaper. Vous bougez pas d'ici. Pas envie de vous chercher partout, il va y avoir une offensive. Les ordres sont arrivés? Ça va venir. Si t'as pas eu les ordres, comment tu sais qu'on part en offensive? Cette bouffe, le café, les cigarettes. On part au merdier, sûr et certain. Ouais, c'est du flan. C'est du flan, tu crois pas? C'est du flan. Depuis quand tu fumes, toi? Ça te regarde? Je déconne, excuse-moi. Alors ta gueule. Ça va, Baxter écrase. C'est la dernière pour moi. Je parie que tu fumes, Warren. J'ai clopé le premier jour. Toi aussi. Et je crevais de froid. Hé! Visez un peu. Mais à quoi tu joues, Lonnie? Si tu pètes, moi je t'explose le cul. C'est rien que les trous du cul qui fument. Cigarette?
Stava, il vaut rien, il sent la merde. Hey, Sanderson. Quand t'étais dans les bois avec les cheveux, ça t'a fait quoi? L'impression de... me noyer. Vous vouliez me parler? Lieutenant. Je veux savoir ce qui s'est passé hier pendant cette reconnaissance. On m'a dit que votre homme de pointe était séparé de la patrouille. Les gars sont encore trop neufs. Ça suffit! Vous êtes malade! C'est une connerie débile de mettre un bleu en pointe dès sa première sortie! Je n'ai que des bleus dans mon escouade. C'était à vous de marcher en pointe, sergent! Sergent? Je croyais que j'avais peut-être une chance pour qu'au moins l'un d'eux acquiert de l'expérience. Foutaise! Vous essayez toujours de sauver votre carcasse. Ces gamins ne savent rien de rien. Et vous, oui? Non. Je sais rien. Pendant 4 jours, j'ai pu voir tous ces corps mutilés, ramassés partout dans ces bois, et je ne savais qu'une seule chose, c'est que bientôt ce serait à moi de conduire le peloton en ligne. Et personne ne me donne aucun ordre, alors du coup je traîne mes guêtres en jouant au petit lieutenant. Alors c'est vrai, je n'y connais rien du tout. En fait, le seul homme dans tout le peloton qui s'y connaisse, c'est vous. Les choses sont claires? Ça vous rentre dans le crâne? Vous voulez quoi? Je veux votre aide, voilà. Écoutez, si je peux vous apporter de l'aide sans risquer d'y laisser ma vie, je le ferai sans hésiter. Si vous me demandez mon avis, je vous le donnerai. Mais je refuse de me faire bousiller pour qui que ce soit. J'attends autre chose de vous. C'est tout ce que vous aurez. J'ai un truc à te dire, vieux. Si tu te retrouves coincé au beau milieu de la bagarre, avec tous tes intestins à l'air, et que moi je passe par là, si à ce moment-là je peux t'apporter de l'aide sans risquer d'y laisser ma vie, je le ferai sans hésiter. Qu'est-ce que t'en penses, toi? À propos de quoi? Cette offensive de merde dont Manning parlait. Tu crois qu'on va y aller? Ouais. On vient juste d'arriver. Ouais. Hey, Sanderson. Hier, quand on était en reconnaissance, Manning voulait te laisser en plan. Je crois qu'on va tous crever ici. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Vous êtes bénie. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. 2 minutes. Bien, capitaine. Thank you.
gare au fond. Tiens, ça va, Zanik.
Quoi? Debout, sergent, on remet ça. Vous vous foutez de moi? Notre compagnie doit essayer d'enlever le pont sur la route de Karl et de le tenir ce coup-ci. Sinon, les 88 Allemands sur la crête vont nous mettre en bouillie. Les enfoirés. Il y a une route qui va au pont en passant par le côté nord. Je crois qu'une seule escouade avec deux ou trois lance-flammes aurait une bonne chance de neutraliser ces putains de canons et tous leurs servants. Ils ont pas d'infanterie en renfort? Les Schlu ont leur renfort planqué après le pont à plus d'un kilomètre de là. Apparemment, eux aussi, ils manquent d'hommes. C'est pour ça qu'ils comptent sur leurs 88 pour tenir. J'ai besoin d'une escouade de volontaires. Bonne chance. Vous neutralisez ces canons et je vous signe ce transfert à l'arrière que vous me réclamiez. J'achète. Vous refaites ce petit sourire à la con et je vous rentre les ratiches dans le crâne. Ici Pritchett, colonel. On a enlevé le pont, mais les Schleu flinquent tous azimuts. Négatif! Vous ne vous repliez pas! Mes hommes vont se faire étriper, on se replie ou on y passe! Vous allez tenir ce pont, capitaine! C'est un ordre! J'ai au moins 30 gardes de combat! Ne discutez pas, Pritchett! Il faut tenir cette saloperie de pont! C'est du suicide! Mais on va y passer si on reste ici, lieutenant! D'accord, écoutez-moi. Je crois que leurs renforts d'infanterie viendront pas les aider. Les servants du canon regardent pas de notre côté. Il faut qu'on suive ce chemin là-haut.
Baxter, Sanderson. Vous leur brûlez le poil. D'accord. Vous y êtes? Allez, on y va, venez. Boxer 6, ici Boxer 9, à vous! Parlez, Boxer 9! Ici le sergent Talbot, le lieutenant Lucas a perdu les pédales! Vous prenez le commandement, sergent, alors écoutez-moi! Ramenez vos bons hommes de ce côté-là de la rivière! Vous espérez pas que les gars vont cavaler à découvert sous la sauce? Si vous ne sortez pas votre peloton de là, vous serez tous morts dans 10 minutes! Faut vous tailler! Non, je bougerai pas! Baxter! Non, je bougerai pas! Non! Bouge ton cul, Baxter! Il a réussi.
Lieutenant. Lieutenant. C'est pas fini, faut qu'on se taille. Laisse ta bécane. Foncez, foncez. Allez. Und die Zigaretten. Und die Zigaretten bin ich. Ich hab noch irgendwas Warmes bei mir. Hey, teil die mit mir. Du Arschloch. Halt dich doch in die Hose. Schwein. Ami. Los. Thank you.
Comment ça va, Roy? Ça va bien, colonel, je tiens le coup. Vous avez besoin de repos? Tout le monde a besoin de repos, colonel. Capitaine, cette conversation est close d'avance, comme l'a été celle qu'on a eue l'autre fois. Vous êtes blessé, vous avez besoin de repos. Un œil neuf peut peut-être aider à débloquer la situation. Je vous connais, vous? Tous vos hommes sont là? Oui, colonel. Capitaine Zanuck, je crois que vous avez là une bonne occasion de prendre contact avec votre équipe. À vos ordres. Il serait bon que j'assiste à ce briefing, le capitaine va avoir besoin de tout ce qu'on sait. Négatif. Aucune envie qu'on reproduise les mêmes fautes. Quelle faute au juste? À vous d'expliquer. Caporal, il a besoin d'un docteur. Méchant, hein? Très méchant. Où est ton escouade? En face, là. Et ça valait le coup? Quoi? Ton transfert. Je vois pas de quoi tu parles. T'es un sale enfoiré de pull à chiasse, tu sais ça, Manning? T'as raison, Talbot, un vrai pull à chiasse. Comme ça, t'es monté sur la crête avec quatre gars et t'en avais plus qu'un en redescendant. T'étais pas là, du con. Ouais, là, j'ai eu du bol. Moi, je te perds pas de vue, Manning. Ah ouais? Tous les copains sachent que t'as négocié ton transfert avec Pritchett. T'es prêt à tout pour sauver ton cul. Ouais, exact. C'est dommage qu'il soit plus là pour respecter le contrat. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Il a été blessé. On l'a ramené à l'arrière ce soir. La vie est vache, hein? Le lieutenant Lucas. On sait pas trop, colonel. Il a pas mal dégusté là-bas. C'est pas lui qui arrive? Ouais, c'est lui. Avez-vous l'état de vos pertes, lieutenant? Alors? Quel que soit votre problème, lieutenant, je vous suggère de vous reprendre en main. Maîtrisez-vous, c'est un ordre! Hey, retenez cette âme! Vite, dégagez le colonel! Allez, allez! Emmenez-le d'ici! Oh, Dieu! Merde! Vous vouliez connaître l'état exact des pertes? Attendez une minute, sergent. Vous frisez dangereusement le conseil de guerre. Du coup, on me renverra à l'arrière, hein, colonel? Vous êtes Manning, c'est ça? Qu'est-ce que vous en avez à foutre? Au rapport à mon PC, immédiatement. Sergent David Manning. Vous avez un dossier sur tout le monde?
Pas encore, sergent. Il n'y a que vous. Le sergent Manning possède un sens exceptionnel de la tactique sur le champ de bataille. Ses capacités de réaction aux attaques sur le terrain sont largement supérieures à beaucoup d'officiers. Son indiscipline ne saurait masquer son aptitude au commandement. Je préconise vivement qu'on envisage sa promotion au grade d'officier si jamais l'occasion se présente à l'avenir. Capitaine Roy Pritchett. Si je ne fais pas erreur, sergent, je crois bien que cette occasion se présente. Il a écrit ça quand ? Le jour où il vous a fait sergent. Je suis simple soldat, moi. Je sais qui vous êtes, Manning. Et je sais de quoi vous êtes capable sur le terrain. J'étais deuxième classe il y a 3 jours de ça. Le sujet n'est pas ouvert à la discussion, lieutenant. Vous n'avez aucun choix en la matière. Et dans les circonstances, moi non plus. Demain matin à 8h, on repart à l'offensive. Rassemblez vos hommes. Lieutenant. Il ne reste aucun homme. Grattez encore un peu. Sur la crête. Il faut pas le camp, je te parle. Ça va ? Arrêtez, bordel ! Il a exécuté Baxter. Ouais, comment, connard ? Il s'est taillé, toi t'en aurais fait autant ! Baisse ton flingue, Talbot. La ferme ! Allez, en fait, on est déjà tous morts. Le régiment part demain en première ligne, on doit prendre la ville à n'importe quel prix ! Quoi ? T'as compris ? Si on regarde bien, il n'y a que 2 solutions. Ou on choisit de se faire manœuvrer dans cette putain de percée, ou on essaie de niquer leur char cette nuit. Si tu crois que le capitaine va marcher, tu rêves. Là, il ne s'agit pas du capitaine. Il s'agit seulement de nous. Alors on va passer la ligne Schleu en douce, et on joue aux conscrits qui se sont perdus. T'es bizarre dans ta tête. Hier, tu chialais pour qu'on t'envoie à l'arrière. Et là, tu organises un commando pour aller démolir les chars allemands tout seul. La question, c'est comment sauver notre peau. Pour le reste, tu penses que tu veux, je m'en cogne. C'est quoi ton plan, Manning ? Tu prends ces conneries au sérieux ? Peut-être bien. Tu es sûr qu'il va pas te flinguer par derrière, comme Baxter ? Là, il avait pas le choix. S'il avait pas tué Baxter, on se serait tous enfuis. Et on se serait retrouvé pilonné comme avant par les Schleu. Je viens avec toi. J'en sais rien. Écoutez, s'il y a un gars qui risque de réussir, c'est lui. Je suis pas vraiment emballé, mais c'est mieux que ce qui va nous tomber sur le crâne. Manning. Quoi ? On s'en sortira. On s'en sortira. D'accord, on tente le coup. Vous attendrez que je nettoie les mines du passage et que je cisaille les barbelés. Il faut flinguer les chars au lever du soleil, avant le début de l'offensive. Plus reculer. C'est trop tard maintenant. Mmh.
choper le camion. Couvrez-moi. Je perds tout mon sang. Si, on s'en sortira. Lieutenant, tu me devras gros, tu sais. Je te dois rien. 1 kilomètre, juste 1 kilomètre. C'est trop loin. Non, on y est presque. Qu'est-ce qu'il y a de si marrant? Toi. Tu rentres chez toi, mon vieux. Je te dis, tu rentres chez toi.
Și mi-a zis